Allez, pour l'instant, ça sera toujours tout droit. Là, vous allez prendre à droite. Allez, à droite. Et ensuite à droite aussi. Et ensuite au bout de la rue, vous partez à gauche. Ça vérifie aussi ce rétro du coup. Ensuite, vous allez partir vers le Leclerc. Vous savez où il est? Oui, là où il y a la voiture blanche là-bas qui arrive. D'accord. Là, il s'agit de la route de Pau. Ce que je vais vous demander pendant 5 minutes, c'est de suivre tout le temps cet itinéraire. D'accord? Vous allez suivre tout le temps Pau. D'accord. Ok? Ça, monsieur, il faut pas hésiter à contrôler, indiquer quand même, hein, pour le cycliste. Vous savez pourquoi? Vu qu'on est un peu proche, peut-être. C'est-à-dire qu'en fait, il est dans sa voie, mais est-ce qu'à tout moment, en fait, il pourrait pas sortir? C'est ça la question à se poser, donc il vaut mieux. Ouais. Voilà, surtout que vous avez vu, il va assez vite quand même. Ouais. Vous aviez vu que la voiture noire arrivait sur vous? Derrière? Ouais. Vous ouais, pensiez qu'elle sortait du rond-point? Non, je pensais qu'elle continue. Faire attention à ne pas passer trop proche. Okay.
monsieur, plutôt que de rester appuyé sur le frein, qu'est-ce que vous pourriez faire? Voilà. Ensuite, après le virage, vous allez tourner à gauche. Ensuite à gauche. Et donc là où vous voulez, monsieur, vous allez choisir un emplacement pour vous garer directement en avant. Ok, je vous laisse immobiliser le véhicule. Et après, vous savez comment ça marche, les questions de vérification ou pas? Oui. Oui, c'est-à-dire? C'est les deux derniers chiffres du compteur. Ouais, est-ce que vous pouvez me les donner, s'il vous plaît? 50. 50, donc question numéro 50. Alors, montrez l'orifice de remplissage du produit lave-glace. Donc, orifice de remplissage du produit lave-glace. C'est ça. Oui, très bien. Quel est le principal risque d'une absence de liquide lave-glace? De ne pas pouvoir nettoyer son pare-brise. Et donc mauvaise vision. Ouais, mauvaise visibilité. Ouais. Donc vous pouvez refermer. Hein. Et premier secours, pourquoi faut-il pratiquer immédiatement une réanimation cardio-pulmonaire si une victime est en arrêt cardiaque? Parce que plus on attend, moins on a de chances de la sauver. Allez. C'est bon. Question facile. À une main le volant? Là, vous allez reprendre le cinéma, vous savez où il est? Oui. Oui.
aller ensuite à droite. Maintenant, vous allez suivre Saragosse. Là, t'en penserais quoi, toi, si tu sortais d'ici? Parce que tu as le résultat. Alors, je vous l'ai dit, demain, c'est-à-dire qu'à partir de 00:01, vous recevez en fait votre résultat directement par mail. D'accord. Tu sors de là, tu te dis quoi? C'était rapide, court, l'inspecteur était sympa, méchant, c'était facile, compliqué. J'ai loupé, j'ai réussi. Comme tu t'y attendais, d'accord? Donc, positif, négatif, tu aurais des regrets? Ouais, j'ai truqué le cycliste après. D'accord. J'ai mis le clignot un peu tard à un moment. Le clignot un peu tard? Ouais. Quand la voiture noire m'a collé, j'ai pas fait freiner ou. Quand ça, je me rappelle plus. Si tu le dis en même temps. Ouais. J'avais vu la voiture. J'ai dit, je pensais qu'elle allait tout droit. La très jolie fille en DS3 noire au Leclerc. Ouais, j'ai vu à peine la voiture, c'est j'ai ça. Pas eu le temps. De... Oui. Alors, ça m'intéresse justement parce que tu vois là. Ça serait pas éliminatoire, mais ça reste un petit peu proche. Si tu regardes la vidéo, tu vas te dire, ah oui, finalement, je suis passé un petit peu proche. Oui. En fait, si je reprends, c'est marrant parce que je vous explique la même chose. Le schéma que j'ai fait à la fille juste avant toi en conduite, je lui ai expliqué que ça, c'est ce que j'appelle la zone rouge. Et qu'une voiture, en fait, si elle est à l'intérieur de cette zone, il ne faut surtout pas y aller. Par contre, si elle est là, qu'elle s'est arrêtée ici, oui, arrêté, si j'accélère, je dégage, ça passera. Mais si elle est là... Là, j'ai démarré, elle était là presque. Elle était là. D'accord. Donc ça va, t'accélères, t'y vas, mais fais gaffe quand même. Parce que moi, la question que je me pose, c'est surtout combien de fois t'as regardé avant de rentrer dans le rond-point. Oui, sinon je vois l'agence. Donc t'as regardé combien de fois? Deux fois ou une peut-être. Voilà. Une plutôt que deux, tu le verras si tu regardes la vidéo. Alors, on va essayer de faire le bilan ensemble. Ouais. Installation au poste de conduite. Donc l'inspecteur, il t'examine, il peut pas t'éliminer. Sur ça, tu aurais 0, 1 ou 2. Le jour du permis, tu fais quoi pour ton installation? Parce que j'ai vu que... Ah mais ça, il le dit pas, oui. Il dit vous pouvez commencer. Oui, tu dis mais... installez-vous. Et quand vous êtes prêt, on va y aller. Là, 0, je l'ai pas fait. Mais... Non, non, mais c'est pas grave ça. Mais tu ferais quoi pour avoir 2 sur 2? Donc tu fais tes réglages, il n'y a pas de souci. Ouais, je sais pas, je vais voir si la voiture est déjà... Ok, s'il manque pas une roue, d'accord. Je crois, j'ai compris. Et après, c'est installé sur le siège, quoi. Et avant de partir? Avant de partir, les rétros, tout ça. Ouais, d'accord. Et avant de descendre de la voiture, quoi? Non, non, non. Ah. Donc? Vous regardez si cela mettra la taille. Quoi. Ok, donc tu auras 1 sur 2. Parce qu'en fait, mais Cyril, maintenant, il a l'information, donc il aura 2 sur 2. C'est quoi? Avant de partir, vous êtes 3 dans la voiture. Ah oui, je regarde si on est attaché. Bon, ça, je le fais à chaque fois. Mais... Donc ça veut dire qu'il faudra bien vérifier que derrière, Willy, Marie-Neige ou moi, évidemment, on a mis la ceinture. Point, là. Donc si tu le fais pas, tu perds un point. Si tu rentres et tu t'attaches, tu as 0. Ok, pour avoir 2 sur 2, tu règles comme tu as fait au tout début siège dossier rétro ceinture. Et vérifie surtout que derrière il ait mis la ceinture. Ok. Les vérifs, 3. 3 sur 3 puisque tu as su répondre. Connaître utiliser les commandes, je t'ai enlevé un point. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu étais en quatrième dans la descente. Et en fait, je t'ai dit, monsieur, qu'est-ce que vous pouvez faire à la place? Parce que là, en fait, c'est quoi? Tu as voulu jouer la conduite éco? Non, je sais pas, j'y pensais en plus. Non, je sais pas si je le fais ou pas, je sais pas. Alors, j'étais à deux doigts de le faire en plus. Quel est l'avantage de mettre la 3 dans la descente? De pas appuyer sur le frein qui fait du bruit. Alors, faire du bruit, oui, mais surtout abîmer beaucoup plus le système de freinage. C'est-à-dire, si tu mets la 4e à 50, oui, pour la conduite éco, mais il faut que le sol il soit plat et que tu doives ni freiner ni ralentir. Si tu es en descente, tu utilises plutôt la 3 pour avoir le frein. Donc, bravo. C'est pas grave, tu perds un point. Okay. Prendre l'info, je te mets 0 par contre.
Pourquoi? Parce que tu m'as dit... alors, au tout début, on est arrivé là au stop, je t'ai dit juste de penser à vérifier là, puisque tu avais vérifié que ici. Ouais. Le cycliste, il vaut mieux quand même contrôler indiqué au cas où il ferait un écart par rapport à sa voie. Mmh. Okay. Et vu que la DS3 t'est quand même passée un peu juste, alors ça passe, mais fais gaffe quand même, parce qu'un inspecteur un peu sévère, ouais, je sais pas trop comment il va agir. Donc, il vaut mieux pas y aller dans le doute. Okay. Si tu y vas, tu y vas vraiment. Mais tu es quand même passé un peu proche. Donc, vu qu'il y a trois petites erreurs, tu vois, je perds un point à chaque fois. Adapter l'allure aux circonstances. Je t'ai enlevé un point, alors je t'ai rien dit, mais quand on est parti là-bas d'Oloron, à un moment donné, tu as accéléré légèrement trop tôt. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Avant d'arriver sur la route à 70 là. Ouais. Tu t'en es un peu rendu compte, j'ai bien mis la caméra pour te faire chier dans quelques temps, mais tu as accéléré un peu tôt. Bon, je te l'ai pas dit, mais je t'ai enlevé un petit point. Okay. Réglementation, est-ce que tu as fait une erreur du code de la route? Je sais pas. Non. Donc tu as 3. Est-ce que tu as oublié un clignotant? Non, un peu tard. Hein. Non, c'est bon, 3. Est-ce que tu as une erreur de placement? Pour l'instant, non, mais je vois plus. Non. Maintenir les espaces de sécurité, pas de souci. Analyse, adaptation et conduite autonome, tu as un point puisque tu as réussi à suivre la route de Pau. Conduite éco, ouais, quand même, tu passes tes rapports un peu courts. Courtoisie, ça n'a pas eu lieu. Donc là, aujourd'hui... Je l'ai pas, c'est quoi, 25 qu'il faut? Il y a marqué quoi? Ah, favorable. Favorable. Favorable, ça veut dire quoi? Ça veut dire... c'est bon. Si c'est pas bon, tu auras marqué... refusé. Défavorable. Regarde, si je te mets éliminatoire par exemple, il me demande pourquoi. Okay. Mais évidemment, je vais pas le mettre. Donc là, ça veut dire que il aurait 24 points. Il faut avoir combien? Il faut 20 points minimum sans erreur éliminatoire. C'est 20, je crois que c'est 20. C'est 20 points minimum. Pourquoi vous mettriez combien? C'est sur 30. Non, c'est sur 31. 25, personne l'aurait. Hein. Enfin, y aurait du monde, mais il y aurait. Oh, 20% de réussite. Donc c'est 20 points minimum sans erreur éliminatoire. Okay. Donc là c'est bon.